essayer de faire une fois, c'est de le faire sans pédale du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer de clarté dans la texture de cette écriture-là dans le premier mouvement. Il y a beaucoup de choses dans le registre central, et toujours avec une voix supérieure dans les cinquièmes, et beaucoup de... Je vais essayer de faire ça une fois. Dans la pédale, tout se perd finalement, au lieu de chanter tous les intervalles. C'est très facile d'arriver à faire un. Et tout d'un coup, on perd le rapport entre chaque note. Et c'est très curieux de voir que quelquefois dans le travail, il y a des choses qui donnent la sensation d'être très peu naturelles, jusqu'à ce qu'on ait trouvé finalement le tempo adéquat. Dans mon cas, ce serait de faire. Autre chose qui me dit que ça c'est plus la facilité, la chose qui me viendrait au moment du déchiffrage, ma première impulsion. Mais ce que je souhaiterais vraiment faire, c'est beaucoup plus, pour moi en tout cas, ça c'est beaucoup plus difficile. Encore une fois, parce que chaque note prend plus d'importance et finalement les choses doivent s'étirer. Et tout d'un coup, on prend conscience de choses qui passent dans l'élan à un tempo plus rapide et qui lentement se désarticulent et donc finalement causent au cerveau des obstacles qui ne sont pas là autrement. Ça devient un monde en soi-même, la première mesure, à un tempo plus lent. Et encore une fois, dans le travail, une des choses qui me donne énormément de plaisir, c'est de prendre chaque note individuellement. Et d'écouter le rapport de l'une à l'autre. Une fois que la basse est posée, le do par rapport à l'octave du la, le mi par rapport à l'octave du la, et le la par rapport à l'octave du la, et ainsi de suite. Comme si c'était... Il y a tout un monde sonore qui se développe, qui passe complètement inaperçu dans le travail uniquement rapide. Ça, c'est très intéressant, le ré dièse. Avec le la. C'est très, très inquiétant. Inaudit, ce n'est pas bon, ça. Ça, c'est mauvais. Dis non, ce n'est pas à mon goût, hein? Oh, down. C'était.
exactement. Le rubato, c'est le manque d'égalité, puisque rubato, ça veut dire voler. Hein. Et c'est un peu le temps qu'on vole, on le redonne après, puisque c'est toujours un système de plus rapide, du plus lent, sans arrêt. Et si cette sonate était jouée sans rubato aucun, ce serait... difficile à imaginer que ce soit joué comme ça. Ça veut pas dire que le rubato donne le sentiment d'expression. Et encore une fois, dans la musique baroque, qu'il n'y a aucun rubato, mais c'est extrêmement expressif parce que tout se passe sur la note. Et encore une fois, rien entre. Et encore cette sonate jouée, ce passage-là, où la totalité de la sonate jouée sans aucun rubato, avec une égalité parfaite rythmique des doubles croches, c'est presque inconcevable. C'est plein de détente, d'accélération, de détente qui sont quelquefois si minimes, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout d'un coup chaque mesure soit distordue et défigurée. Mais c'est présent. Hein. C'est à une fraction de seconde près, mais c'est toujours là. Moi, j'entends plutôt un son âpre et rauque dès le début. Quelque chose qui palpite sans arrêt. Et pas nécessairement un son rond qui chante, c'est déjà une chose très belle, c'est une base qu'on souhaiterait avoir chaque fois pour chaque œuvre. Mais c'est vrai que la couleur de ce premier mouvement, c'est quand même beaucoup plus inquiété et tourmenté. I sort of feel like it's like in two bars, all that there's like this big buildup that goes all the way up to the F. I agree. And then this is the answer.